Sur l'invitation de la téléphonie mobile Tigo Tchad, la star française La Fouine a fait le show ce 28 novembre au stade Idriss Mohamed Ouya de N'Djamena. Le stade est plein à craquer. Un public jeune venu très nombreux pour assister au premier concert de La Fouine organisé au Tchad grâce au réseau de la jeunesse Tigo. L'ambiance mais aussi la sécurité étaient de taille. C'est les artistes locaux qui ont ouvert le spectacle. Yasmine a ouvert la scène, suivie du groupe Harlem Hip Hop qui a tenu le public en haleine avec ses pas rythmés et endiablés. Le groupe Soubien la musique, le groupe Tchado Star et bien d'autres. Le journaliste et animateur de la RFI, Claudie Siar, est monté sur le podium en faisant un petit jeu concours de danse avec quelques jeunes fans de La Fouine. Ces jeunes ont reçu beaucoup de cadeaux. Le moment tant attendu est arrivé. L'artiste rappeur international La Fouine a fait sa montée sur scène à 21h15. Tout le public est en ébullition. Ils ont fait de moi. Tigo a tenu sa promesse à la jeunesse en offrant à celle-ci un moment de rêve et de bonheur. À la fin, les jeunes apprécient diversement le spectacle. Le concert, c'était trop bien, c'était super, on a trop aimé, on s'est bien amusé, c'était super. Notre grand plaisir de voir La Fouine ici sur la scène, devant nous ici au Tchad pour la première fois, je crois. Et je lance l'appel à Tigo de nous amener des artistes et d'autres artistes, pas La Fouine seulement. Nous, on veut les artistes d'ici, du Congo et puis de l'Afrique de l'Ouest, comme Puisker. Ce n'est pas seulement la jeunesse tchadienne qui a eu la chance de vivre ce concert de La Fouine en live. Les jeunes du Cameroun voisin ont eux aussi fait le déplacement pour assister à ce spectacle. Le concert ici a été très génial, très très cool et avec un public chaleureux. La Fouine lui-même était très enjaillée. Et en fait, moi je viens du Cameroun pour assister à ce concert qui a été très cool. C'était franchement un concert de taille. Le public tchadien a très bien réagi concernant tout ce concert. Pour le staff Tigo, ce concert a été magnifique. Ils rêvent de revivre encore l'année prochaine avec une autre star internationale de la musique. Le concert était excellent. Les jeunes ont trouvé que c'est une très bonne chose. Surtout que c'est la première fois à N'Djamena et au Tchad. Et Tigo a promis à ses abonnés, et voilà la promesse qui se réalise aujourd'hui. Tout le monde est content. On a bien commencé et maintenant on a aussi terminé les concerts dans l'ambiance. Donc merci pour Tigo, merci pour les jeunes qui n'ont pas fait de dégâts, qui ont aussi respecté les consignes de sécurité. Donc merci une fois de plus pour Tigo. Le spectacle qu'a offert La Fouine en terre tchadienne vient donner une visibilité de plus à la nouvelle identité de Tigo, Lévite, Lovite. Où était-il quand les factures arrivaient de la géance ? Où était-il quand les restos du cœur servaient le carreau ? Aussi, c'est l'occasion pour la compagnie Tigo Tchad de célébrer ses 10 ans d'existence en tant qu'opérateur de téléphonie mobile. 10 ans au service du peuple tchadien avec la meilleure couverture réseau téléphonique, internet et bien d'autres services. Tigo, vivez, aimez.